Que vous le vouliez ou pas, on s'en fout. C'est Gabon d'abord. Gabon d'abord. Taguez ça bien dans vos esprits. Taguez ça bien dans vos têtes. Peuple gabonais, c'est toi le leader. Peuple gabonais, c'est toi l'opposant. Peuple gabonais, c'est toi l'activiste. Peuple gabonais, c'est toi le libérateur de notre peuple. On te traite de peureux, de mougou, mais quand tu es uni, tu es plus fort. Quand tu es uni, tu déplaces les montagnes. C'est ça. Yo la famille, bonjour, j'espère que vous portez bien. Avant de commencer ce live, je tenais déjà à féliciter le syndicat de la SEEG. Je tenais à féliciter la mobilisation du peuple gabonais. Une fois de plus, nous avons prouvé que unis, nous sommes plus forts. Néanmoins, j'aimerais répondre à certains commentaires. Parce que j'ai eu à lire certains commentaires de certaines personnes pseudo-panafricanistes qui se mettaient à parler des choses en disant « Ouais, au Gabon, il y a le ministre blanc qui est aux eaux et forêts. Et là, on a vu une manifestation parce qu'on a nommé un directeur à la SEEG qui est sénégalais, qui est africain. » Et on nous voit péter un plomb. Le problème, c'est pas si c'est. C'est que vous ne comprenez pas. Le problème, c'est pas si c'est. Parce qu'après si c'est Lee White. Après Lee White, c'est Oseni. Après, c'est Daouda. C'est Abondu, Kali Bongo. Il est temps que les Gabonais se réapproprient le Gabon. C'est ça le problème. Parce que le désordre que la légion étrangère fait au sein de notre pays, c'est un manque de respect total. Je ne dis pas que vous tous vous êtes pareils, mais majoritairement vous manquez de respect au pays hôte. Et le peuple gabonais est un peuple hospitalier qui vous a ouvert ses portes. Et grâce à ce peuple, vous avez des millions et voire des milliards. Entre-temps, ce peuple a faim chez lui. Entre-temps, ce peuple a soif de trouver de l'emploi chez lui. Entre-temps, ce peuple a envie d'avoir un bien-être chez lui. C'est notre droit à nous. Si parmi les 7 milliards d'habitants sur la Terre, Dieu a choisi plus de 2 millions ou plus de 1 million qu'il a eu à octroyer la grâce d'être gabonais. C'est pour que nous, gabonais, nous bénéficions des richesses de notre sol. Car le Gabon est avant tout notre pays. On n'a pas de pays de rechange. C'est notre pays à nous. Donc, il n'y a pas de propos xénophobes. Parce que vous êtes chez nous. Il n'y a pas de propos xénophobes parce que même chez nous, vous faites ce que chez vous, vous ne pouvez pas accepter que d'autres personnes le fassent. Doucement, les gars. Non. Donc arrêtez de venir nous embrouiller là. Nous, nous voulons juste récupérer notre pays. Nous avons envie que des Gabonais compétents occupent des postes à haute responsabilité. Nous avons envie que nos marchés soient occupés par des Gabonais. Nous avons envie que nos transports soient occupés par des Gabonais. Nous avons envie que tous les secteurs doivent être occupés par des Gabonais. Et c'est notre droit en tant que Gabonais. Raison pour laquelle on va s'enrôler massivement. Car c'est le PDG qui a l'origine de tout ce désordre. On va commencer à enlever Ali Bongo, qui n'est pas gabonais. On va enlever les Baoseni. Mais, Seigneur, on va tous vous boler. On va tous vous boler. Tout avec tout. Le Boma, là, va revenir au Boma. Que vous le vouliez ou pas. Est-ce qu'on vous supplie? Peuple gabonais, tu as vu? Vous, aux eaux et forêts, là, vous avez vu comment le syndicat au niveau de la SEEG, vous avez vu comment ils étaient solidaires et mobilisés? Vous voulez qu'on fasse bouger? Lee White, soyez chaud. Mobilisez-vous, c'est pas les banderoles que vous mettez là. Faites un tapage, mobilisez-vous. Les Badaouda, tout, vous allez go. Mais la finale, c'est enlever Ali Ben. Moi, je m'en fous. C'est Ali Ben. Ali Ben lui-même, là-bas, n'est pas gabonais. À un moment donné, là, faut qu'on arrête ça.
peuple gabonais, c'est toi le leader. Peuple gabonais, c'est toi l'opposant. Peuple gabonais, c'est toi l'activiste. Peuple gabonais, c'est toi le libérateur de notre peuple. On te traite de peureux, de mogou, mais quand tu es uni, tu es plus fort. Quand tu es uni, tu déplaces les montagnes. C'est ça. C'est les petites batailles qui font gagner les grandes guerres. Parce que nous avons une grande guerre dans 3 mois. La guerre de la libération de notre pays. Parce que nous avons le droit de sol. Nous avons le droit de vivre chez nous. Nous avons le droit de jouir des biens de chez nous. Que vous le vouliez pas, on s'en fout. C'est Gabon d'abord. Gabon d'abord. Taguez ça bien dans vos esprits. Taguez ça bien dans vos têtes. D'ailleurs, ça fait plusieurs décennies en train de jouir de nos terres au détriment des Gabonais. C'est bien beau, hein. Même les terrains que vous avez achetés là, on va vous faire go. On fait go à Liben, on va vous faire go, même les terrains là. Non. On va d'abord se réapproprier notre pays, mettre d'abord bien les Gabonais, et après on va penser à vous. On n'a pas de problème, on vous aime, c'est l'Afrique, on s'aime, mais chez vous, vous ne pouvez pas accepter le désordre que vous faites chez nous. Respectez le pays hôte. Vous ne respectez pas le pays hôte. Vous manquez de respect au pays hôte. Maintenant, là, vous êtes en train de vous enrôler lors des élections présidentielles pour aller voter le PDG qui détruit votre pays hôte, qui vous accueille. Donc, vous n'avez pas de respect pour les Gabonais. Toutefois, nous, on vous respecte, mais nous allons reprendre notre pays parce que c'est notre pays, c'est notre terre. La preuve, vous prenez, vous partez construire chez vous. Vous laissez quoi aux Gabonais? Vous nous laissez quoi, nous? Donc, peuple gabonais, restons concentrés. Ce sera juste une chaîne. À chaque fois, ils disent qu'on ne peut pas. Mais quand on est solidaire, c'est eux qui ne peuvent pas. Et là, ils sont en train de trembler à la présidence. Je sais de quoi je parle. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Vous allez vous oiseau quiet langue.